Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais jouer la troisième partie du 1er septembre 2022 proposée par la Fédération française de Scrabble. C'est au format topping en 3 minutes par coup et c'est parti. Donc épinay, puisqu'on ne peut pas utiliser la lettre chère de façon à faire plus. Donc je rappelle qu'il faut trouver le coup qui fait le plus de points pour passer au suivant. Et 3 minutes, ça laisse quand même un peu de temps pour cela. Mais certains coups sont beaucoup plus épineux que d'autres. E qui fait ex 43 points, le pivot. Lettre chère, j'avais fait un tuto à ce sujet et je vous le mets là-haut. On va jouer oyer pour commencer et pour finir 66 points du verbe ouïr. Prépare le V par exemple pour jouer védique à 96 points. Prépare le A pour faire avoyer à 27 points. Fait quand même 27 points. Il y a le S qu'il faut bien surveiller là. Mais dommage pour exhumer. Barmède, on n'est pas loin. Bon, 27 points, ok. Faudrait peut-être essayer de faire un mot comme Kidam pour 30 points. Ou, il n'y a pas de Baraki. Baki, Braki, Briki. Ah, vous voyez, on est d'accord. Ah, on n'est pas d'accord. À Rome, 38 points. Va pouvoir jouer peut-être un mot ici comme. Comme quoi? J'ai cru qu'il allait y avoir un mot facile, mais. J'en suis pas sûr finalement. Il n'y a pas de bandit, bind. Bidance, c'est ça. Hein. Yes, pas facile. On regardera la définition à la fin. Alors, le E, s'il est. Quelque chose d'autre ou... Instilla. Bon, ça sert à rien. Si on joue exilé, ça fait 32 points. Ça me laisse penser qu'il y aurait peut-être un Scrabble, même si on s'en doutait déjà. Oh, bah, j'ai dit s'il est. Du coup, lésinet, ancilet. Et lésinet, bah, lésinet en silet, en silet. Bon, je crois que j'ai dit. Et en lisez, voilà, qui a sur l'écran, quoi. Je vais y arriver. Oh, je suis en forme. Hein. Donc, budgété, hein, dommage. Bon, on pourrait commencer par taguer, par exemple, à 21 points. Ex, on reste toujours sur ce ex là. Mais je vois pas de mot. Exégète, dommage. Devant avoyer, je crois que c'est cuit. Alors, soit on fait une collante. Ah, peut-être qui 26 points. Oh. Y aurait-il un scram? Comme quoi? Délégat? Bien, aller regarder toutes les lettres disponibles de la grille pour pas se faire surprendre. En tout cas, pour essayer de réduire le risque de se faire surprendre. Alors, on va jouer quoi? On va jouer fané, ça fait 20 points, c'est pas la folie. Face, ça fait 22, c'est toujours pas la folie. Dommage pour Nescafé. Là. Bon, peut-être fente, ça ferait déjà 27 points. Pain fennec. Qui traînerait ex toujours mais pas facile ex 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 le cul on peut plus l'attraper pour l'instant Le i, il est pas si mal. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce i là? Saigne, ça fait combien? 24, c'est pas la folie. Donc le, je reviens sur le ex, mais je vois toujours pas de mots. Excès.
Le A. Agence, purée. J'ai eu du mal à faire ce mot. Ok, on s'en sort pour l'instant. Récollet. Du coup, Colatier avec un C, peut-être. Aha. Donc, étoile le rat, étiole le rat. Pas d'aérolithe pour cette fois-ci. Frustra. C'est frustrant. Ah non, ça va. Ça a failli être frustrant. Le W Sweater. C'est un bon début, n'est-ce pas? Ah, ça finit le coup à 70 points. Bonne nouvelle. Shot. Santé. Oh, 22 points. C'est fou. Alors, il n'y a pas Hosto. On est obligé de faire U, ce qui nous empêche de faire OU. Du coup, on peut jouer au-dessus pour ouvrir le coup à 23 points. Si on fait OU, c'est nul. Et si on fait ex, je sais pas quoi. Ex rien du tout, surtout. Le H, le H, le H. Je reviens là-haut. Soto. Hosto Soto, mais bon, ça sert à rien. Qui, pas de Kipo, Kitus, Squee, 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 dommage. Ouah, ça fait combien? 22 la poisse, pour une fois que je le voyais. Et là. Ça n'existe pas. Et si on faisait. Ouais, on va faire quoi? Rien faire. Bah, je ne sais pas. Il reste du temps, hein. Mais je manque d'idées. Peut-être là. Non. Ouais, un truc comme ça aurait été bien, mais difficile. Utin aurait été bien, mais utiso, otozo. Ethos. Je crois que ça existe, Ethos. Hein. Ouais. Ouais, ben, je ne sais juste pas quoi faire. Le i. Non, j'ai raté une idée là. Il y a shoot. Je sais pas quoi en faire. Frustrant. J'étais plutôt bien parti. Il y a le coup d'arrêt. Donc je réessaye le qui. Je vois pas. Exo, bon, je crois que j'ai déjà essayé plein de fois. Finir par un U. Pas possible. Pas possible. Là, j'ai pas réussi. Non. Là, peut-être. Auton, un truc comme ça. Non! C'est pas possible. C'est pas possible, c'est le premier mot que j'ai pensé. J'ai essayé de faire sauto sur cette plage, je crois. Incroyable. Oh, comment fonctionne le cerveau, c'est dingue quand même. En tout cas, pas bien. Waouh! Incroyable. Bon, alors, qui bron, voilà. Cornu. Ah, c'est fou, quoi. Bref. Essayer de continuer à jouer comme si de rien n'était. Ça peut être facile. Qu'est-ce qu'on. Il n'y a pas de mots en plus. C'est plaisir. Quinto. Au lieu de faire taper des noms propres. Alors, on n'oublie pas le ex. On va jouer Créma pour voir. On va jouer Jarre aussi pour voir. Ok, et Jarret, c'est préparé. Petit effort. Ah. Fichtre. 32 points quand même.
Ça fait des points, 32 points. Comment faire plus? Faudrait mettre un D. Soit le N. Merci, bonne chance. Le D, j'y croyais, mais finalement, je vois pas de mots. Du coup, pas d'idée. Ah, heureusement que j'avais dit juste avant qu'il fallait bien penser au X. On va jouer K pour voir. Est-ce qu'on peut mettre le K ici? Batac, matac, attaque. Ah, on insiste sur le pivot lettre chère. Le tuto, de nouveau le bienvenu. Oh, il va me refaire jouer au sto là. Juste pour conjurer le sort. Donc Quinto c'est invariable. Et Jarret, il n'y a plus. 33 points? C'est énorme. Ah! Genre mot-o. Fait des points. Et toujours jouer sur le mot qu'on vient de poser. Je crois que c'était KA. Donc, il reste plus que un I. Et énormément de consonnes. En l'occurrence, 6 et 5, 11. Donc, on va jouer le I pour voir. Et ça finit cette partie. Oh, le crève-cœur! Hosto, un point perdu. 941 sur 942. On va débriefer cette partie qui était abordable, j'ai trouvé. Et on ira voir les résultats juste après. Alors, c'est cadré. C'est parti. Est-ce que c'est bien cadré? Oui. Donc, le verbe épiner. Et on prépare le E que je n'avais bien sûr pas préparé. Une épinée, un lieu couvert d'épineux. Donc, on peut mettre un E au bout. Ça peut servir. Alors, E, il y avait IE. Il y avait Onyx, il y avait un magnifique mais pas payé ex-aequo qui est rentré dans le dictionnaire en 2020. Oye, moye, bon, ok. Un vélique que j'avais plus ou moins oublié relatif au voile. Ok. Et donc védique relatif au Veda. Ou la forme archaïque du sanskrit. Veda, ensemble des premiers textes littéraires de l'Inde. Donc ça vous fait peut-être penser à Ayurvédique également. Sinon c'était esquive ici. Donc, arôme qui gagne la bagatelle de 8 points. Donc arôme un fruit, non? À plante à fleurs. Donc bidance qui gagne 17 points sur exine. Je sais pas si on prononce le S d'ailleurs, bidan. Bidens ou bid ouais ou bidens carrément peut-être plante à fleurs jaunes qui était très lucrative ici. Alors en silalésiné on lisait, j'ai eu du mal à le retrouver, les trois comme d'habitude. Sibilant magnifique 61 points, adjectif sibilant, sibilant qui produit un sifflement exilé en sous-top. Délégat délutage, ah ouais j'avais pas du tout pensé. À délutage, j'aurais pu avoir du mal à trouver cet anagramme si elle avait fait plus. Qui est en sous-top et délutage en sous-top. Agence que j'ai eu fort mal à faire avec le G en deuxième position. Ici. Toi, le roi. Donc, colatier. Avec un C ou un K, un arbre. Et Cloret aussi, qui est beaucoup plus dur. Frustré qui était le seul Scrabble, extra en sous-top. Vous avez vu l'importance de toujours revenir sur ce ex, que ce soit le top ou en sous-top. Là, c'était vraiment hyper important, hyper utile. Un sweater qui gagne beaucoup de points également. En fait, on pouvait perdre beaucoup de points sur plusieurs coups dans cette partie. Et donc, finir assez loin si on ratait plusieurs coups, même 2-3. Hein. On finit déjà peut-être vers les moins 100. Potentiellement, clairement. Donc Watté en sous-top. Ok. Ex-passé mignon, Joker P, pas payé. Incroyable que j'ai raté Hosto, quoi. Comment j'ai fait ça? Je pensais à shoot Hosto. Soto. J'avais les trois mots. Oh là là. Incroyable. Bref, ça arrive. Cube. Ah ouais, ben c'est un peu vicieux à cette place-là. J'y serais revenu, je pense, car je l'avais essayé avec le H.
comme vous l'avez vu. Ah, mage. Ok. Exécra en sous-top. Exerça, exécra. Bon, la fin était... Voilà, à condition de revenir sur le X pour faire excéder. K, ben, c'est le pivot, lettre chère. Ouh, le petit septia qui n'était pas donné, là. Mo-o, donc... discontinuité entre la croûte et le manteau de la terre. Moi, j'avais aucune idée que c'était ça. Et ça faisait 4 points de plus que Homo l'anagramme. Host qui faisait un peu moins. Bi, et on finit avec Bi, voilà. Alors, particularité de cette partie, on est resté avec 9 consonnes à la fin. Vous ne voyez pas celle qui restait, c'était FLNPV et 2LMT que vous avez en haut. Voilà pour cette partie. Plutôt agréable à jouer en 19 coups, pas très longue, moins longue que la moyenne. On a bien utilisé la grille, on était au début à gauche, après avec Enlisée on est parti à droite, on est bien descendu avec Etiolera. Donc une bonne couverture de la grille. Voilà, presque un peu de frustration de ne pas avoir utilisé la dizaine de consonnes restantes. Voilà, il y a 102 lettres. Hein. Qu'on reste ici, on en a joué que 92, 93 pour être précis, si on restait 9. Voilà, alors les résultats, est-ce qu'ils sont ouverts? Je pense que oui, voilà, on va aller les voir. Voilà, résultat provisoire, mais bien avancé quand même là, puisque je joue en soirée, et donc sur 140 joueurs qui ont tenté, qui ont terminé, on n'a pas le score, ça serait sympa de l'avoir, nombre d'abandons. C'est une amélioration pour le futur. Alors c'est pas facile comme amélioration parce qu'il faut que le logiciel soit modifié par le codeur, puis que le site internet soit modifié par le webmaster. Donc pas simple. Mais voilà, c'est une idée pour savoir combien de joueurs ont abandonné sur une partie. Je pense qu'il y a des parties où il n'y aurait pas énormément d'abandon et d'autres où il y en aurait un paquet. Et ça serait intéressant d'avoir cette petite statistique. Alors, on a beaucoup de joueurs au top ici, hein, 24, et je suis avec Claudine à moins 1. Il y a eu des joueurs extrêmement talentueux et forts, parmi les meilleurs du monde, comme Alexis Alania, Louis Guermont, Eugène Lama, Laurent Loubière, Sanson Tessier, qui ont terminé à moins 3. Ça veut dire qu'il y avait au moins un coup assez épineux. Bah, peut-être agence, voilà. Je dis au hasard, hein, de mémoire. Peut-être agence, et on va regarder ce que ça donne au niveau des plus rapides. 5,29 pour Olivier Bernardin, bien joué. Et Cédric Spang, qui jouait en équipe, je crois, avec l'aide de un ou deux joueurs. Mais, toujours est-il, c'est lui qui tapait. Et il va vite. Et il voit les top vite aussi. Et donc 5,46, joli. Le podium complété par Timothy Troisfontaines de la Belgique. Voilà, donc on a un podium sympathique Québec-France-Belgique, podium provisoire. Voilà, alors que l'ex-champion du monde Romain Santi, champion du monde 2021, est en 5e position, juste devant le quadruple champion du monde Thomas Michel. Et voilà pour ce qu'on pouvait dire au niveau du temps. Vous avez du beau monde hein, quand même dans cette liste. Si vous voyez les noms du top 20, par exemple, Michel Duguay, quintuple champion du monde, en 20e position ici au niveau du temps, en 10-26. Voilà. Puis il y a du petit Lucho qui, malgré un coup raté à moins 17, et a quand même bouclé la partie en 7-43, sachant qu'il a perdu 3 minutes sur son coup raté. Il était en 4-43, donc s'il l'avait en moins de 40 secondes, et ben, il finissait premier au temps, tout simplement. L'ami Luc. Ben voilà pour ce débrief, je crois que j'ai été complet. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !